Bonjour, je m'appelle Adrien Constant, je suis associé avec mon père en GAEC, GAEC de Camier. On est situé à Saïgnac-Eyvig. On est en polyculture élevage, au vin blond à l'étang, on fait du porc, des noyers en bio, 20 hectares de céréales et après tout est en herbe et luzerne. Nous on était en conventionnel pur, c'est-à-dire charrue, vibro, rôte à la bourre, on repassait un coup de vibro des fois. Et on s'est rendu compte un peu qu'en force de retravailler, on n'avait pas forcément plus de rendement que ça. Et j'ai un voisin qui a une parcelle qu'on est attenant et qui s'était mis à faire ça, et qui avait un rendement égal, voire plus que le nôtre. Donc on s'est dit, pourquoi il arrive et pas nous. On s'est lancé en 2014 sur 4 hectares. 2015, on a passé 15 hectares. Et maintenant, en 2020, on est sur la totalité. Du bouche à oreille, un peu internet. Et après, je me suis rapproché un peu du CRDA, François Hérissou. Et puis voilà, et puis c'est parti, et la dynamique a pris. Alors moi j'ai commencé déjà sur de la céréale, ferret gras, et derrière j'ai semé ma céréale. Et j'ai eu de très bons résultats, moins de produits phyto à mettre dessus, à part au désherbage. J'ai pas fait de fongis dès la première année. Donc après ça m'a encouragé à continuer mon process, mais en développant d'autres choses, voilà, dont les couverts à l'avenir. Quoi. Et bien déjà j'ai fait des analyses de terre au départ, quand on labourait, des gros orages, on avait tout au fond, toute la matière organique et tout était au fond des terres. Et on a vu que depuis qu'on fait ça, depuis 2014, on voit que la terre ne bouge pas, les cultures ne bougent pas, on n'a pas des coulées de terre partout, on a fait des comptages de verre aussi et tout, et c'est pas comparable à ce qu'on avait quoi, au départ. Quand on voit que le sol vit bien, derrière tout suit, déjà quand on sort des couverts comme ça, qu'on voit que les animaux ils laissent rien ou presque rien, c'est assimilé et il n'y a pas d'achat extérieur quoi. On essaye au maximum de, bon, à part les coûts de semences et les coûts d'implantation. L'avantage c'est que voilà, on a un peu le brouillard devant et derrière eh bien, ça remet au sol aussi de l'épandage et directement quoi, sans épandeur, sans tracteur. La tondeuse devant et l'épandage derrière en gros, ce qu'il faut voir un peu comme ça. C'est plus flagrant sur des brebis. Mais la vache, bon, parce que la brebis elle va plus raser, mais la vache, ouais, enfin, quand on voit la différence de là, elles n'ont quand même pas laissé grand-chose. Et puis elles remettent une partie au sol. Mais je veux dire, après, on a la chance d'avoir du lisier et du fumier, nous, donc ça nous diminue vachement le poste d'engrais. Autant à une époque, on ne savait pas quoi faire du fumier et du lisier, autant maintenant, on l'utilise, mais à bon escient. Quoi. Et puis on voit que les couverts ou les cultures suivantes le retrouvent. Quoi. C'est un coût moindre qu'acheter de l'engrais ou acheter des phytos. Donc voilà, ça, on s'y retrouve, pour moi, je m'y retrouve dans ça aussi. Et dans tout ce qui est santé après derrière. Quoi. Moi, je voudrais arriver un jour à terme à plus me servir de la sulfateuse. Quoi. Voilà, faire des couverts, se mettre dedans, que ça gèle, enfin... Mais ça se fait pas en 2 ans quoi. Et parce qu'on le fait pour nous, mais on le fait pour nos gamins aussi. Et moi j'ai 2 gamins, quand ils vont partir à la sulfateuse, ils veulent venir et que je leur dis non, vous venez pas, ça leur fait un petit. Voilà, et puis même pour nous, on le voit maintenant, on se fait détruire dès qu'on prend la sulfateuse ou les panneurs d'engrais. Donc si on peut éviter ça aussi, voilà, c'est aussi ça. Mais il y a encore beaucoup à travailler dessus. Quoi. Il y a sur les espèces, les implantations, il y a beaucoup de réflexions. Même avec un peu de recul, mais c'est pas assez moi ce que j'ai par rapport à certains. Mais de ce que j'ai encore beaucoup de travail à effectuer.